La séance d'aujourd'hui, c'est la lecture. L'objectif est de reconnaître la fonction du dénouement. Grâce à son intelligence, le petit pousset a pu sauver ses frères d'une mort certaine. Avant de quitter la maison de l'ogre, il s'est emparé d'un coffre plein de bijoux précieux. Scène 6. Les cinq frères arrivent devant la pauvre maison fatiguée, essoufflée. La mère pleure et se lamente devant sa porte. Qu'ai-je fait? Abandonner mes enfants? Que pouvais-je faire de pire que cela? Ils seront morts de faim ou dévorés par des loups. Séchez vos larmes, mère, nous voici tout. Fatigué sûrement, affamé assurément, assoiffé c'est évident mais bien vivant. Quelle joie! Venez ici mes enfants, que je vous serre tous sur mon cœur. Ah, ça, mais, comment êtes-vous revenu? Grâce à pousser bien entendu. Nous avons bravé la faim, la soif et même un ogre affamé mais nous voici pour de bon cette fois. Regardez ce que je vous apporte. De l'or. Des pierres précieuses. Nous sommes sauvés. Nos ennuis sont finis, je peux garder mes enfants, quelle joie! Quels sont les personnages du texte? Le petit pousset et ses frères, la femme, le bûcheron. 2. Où se passe l'action? À la maison du bûcheron. 3. À quel moment se déroulent les événements? Après la fuite de la maison de l'ogre. 4. Relevez les didascalies qui indiquent la chute. Il sort le trésor. Il saute et pleure de joie, éclate de rire. Cinq. À quelle étape appartient la scène? Le dénouement, la fin. Six. Que faisait la maman avant de voir ses fils? Elle pleurait. 7. Comment devient le bûcheron quand il voit le trésor? Il saute et pleure de joie. 8. Étiez-vous d'accord avec les parents qui se débarrassent de leurs enfants? Et pourquoi? Non, parce que les enfants sont un don de Dieu. Neuf. Quelle est la morale véhiculée par cette chute? Avec le courage et l'espoir, on peut réaliser nos rêves. Je retiens. La fonction du dénouement, c'est de commenter la fin d'une pièce de théâtre, heureuse, malheureuse, ouverte, fermée.